Voici mon élevage de gendarmes. Premier élevage. Donc, pour élever des gendarmes, il vous faut une boîte assez grande, comme celle-là. Du film alimentaire pour qu'il soit bien tendu et faire quelques petits trous dans le film alimentaire. Après, il faudra des petits graviers ou de la terre. Moi, j'ai pris des petits graviers. Pas trop non plus. Puis des feuilles, des bâtons, des pierres. Et si vous voulez, en décoration, des petits trucs comme ça pour qu'ils puissent grimper, pour voir des choses. Ensuite, la boîte, il faut qu'ils puissent grimper sur les murs, mais pas sur le film alimentaire. Ensuite, il leur faut donner de la salade pour qu'ils puissent manger. Pour savoir qui est le mâle et la femelle, il suffit de voir là, le plus gros est la femelle. Et le plus mince est le mâle, car le plus gros a un plus gros ventre pour avoir les bébés dans le ventre. Ensuite, il leur faudra un bon décor pour qu'ils puissent s'habituer et choisissez-leur un décor qui est habitué à comment ça s'appelle? À leur environnement habituel. Pour qu'ils puissent s'y sentir bien. Il faut qu'ils soient pas pareils de tous les côtés, sinon ils vont croire qu'ils tournent en rond et ils vont stresser et ils peuvent mourir. Donc, après, il leur faudra un petit truc d'eau. Ça, je le mettrai demain. Donc voilà. Donc, pour l'élevage de gendarmes, c'est fini. Mais on se dit à bientôt pour une deuxième partie.